Tout va bien sur le plan comptable, on prend encore 3 points ce soir. C'est la 5e victoire consécutive, donc on est très content. Maintenant, on va passer sur le match d'Orléans. On sait qu'il va falloir faire beaucoup mieux sur le contenu et en termes de prestations collectives, parce que ce soir, on n'a pas été très bon, on n'a pas su maîtriser notre sujet du début jusqu'à la fin. Mais voilà, comme ces derniers temps, on est efficace et on prend les 3 points. Donc en cette fin de saison, c'est dans ce sprint final, c'est souvent ce qui va faire la différence. On aurait voulu faire le break peut-être direct après la pause. Mais voilà, le Red Star nous a posé quand même des gros problèmes, malgré qu'ils soient derniers. Ils sont venus pas mal de fois dans notre camp. Donc voilà, on a subi un petit peu, mais comme je l'ai dit, l'essentiel, c'est les 3 points. Et maintenant, on va passer au match d'Orléans parce que ça ne va pas être un match facile. On sait le contexte et comme j'ai dit, il faudra faire encore beaucoup mieux sur le plan collectif. Mais voilà, l'état d'esprit, la cohésion de groupe est encore là ce soir. On a vu la solidarité quand on subit, quand on encaisse des occasions. Donc voilà, c'est important ça pour les 4 derniers matchs. Il faudra garder ça. Oui, il y a encore du chemin pour aller en Ligue 1. Donc les barrages, c'est pas facile. Donc voilà, bien sûr qu'on rêve d'aller en Ligue 1, mais voilà, le chemin est encore long. On va prendre les matchs les uns après les autres et bien analyser les adversaires à chaque journée. On verra ce que ça donnera après le 17 mai.